بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله العظيم. Chers frères, louange à Allah Rabbul Izza, Jalla Shanu Rabbul Alamin, qui nous a donné le tawfiq de réunir en ce jour béni, qui est le jour de Jum'a, dans ce lieu béni, qui est la masjid, pour accomplir une action bénie, qui est la salat de Jum'a en congrégation. Le mois de Rabi'ul Awwal est un mois pour les musulmans, à la fois de joie, mais également de tristesse. Joie, pourquoi? Parce que tout le monde le sait, c'est le mois qui a accueilli la naissance de notre bien-aimé Habib Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais on oublie un peu trop souvent que c'est également dans ce même mois que notre bien-aimé Habib sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé un lundi matin du mois de Rabi'ul Awwal en l'an 11 de l'Hégire. Jusque-là, il y a ittifaq, consensus parmi les historiens, les mu'arrikhin et les commentateurs de hadith, les muhaddithin. Par contre, là où il y a une petite divergence, c'est sur la date. À quelle date Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé? La plupart des gens ont entendu, on connaît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé le 12 Rabi'ul Awwal, c'est-à-dire la même date dans laquelle il est né. Cette opinion-là, c'est l'opinion des historiens, des mu'arrikhin. Ce n'est pas l'opinion des muhaddithin, des commentateurs de hadith. Pourquoi cela? Parce que quelques mois auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le hajj, qu'on appelle le hajjatul wada', le pèlerinage de l'adieu. Nous sommes en an 10 de la hijra, Zulhijja. Après on a Muharram, après on a Safar, et après on a Rabi'ul Awwal. Il y a consensus parmi les muhaddisins et les mu'arrikhin, les commentateurs de hadith et les historiens, pour dire que le jour du Hajj, le jour de Arafah, a coïncidé avec un vendredi. C'était un Jum'a. Or, si on fait le calcul de Zulhijja, que le mois de Zulhijja, Muharram, Safar, est comporté tous les 30 jours, c'est-à-dire qu'on n'ait pas trouvé la lune pendant 3 mois, ou qu'on ait trouvé la lune pendant 3 mois, donc tous les 3 mois comportaient 29 jours, ou que certains mois comportaient 29 et d'autres 30, en aucun cas, le 12 Rabi'ul Awwal, 3 mois après, ne coïncide avec un lundi. C'est pourquoi une jama'at parmi les muhaddisin nous disent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après ça reste des calculs, est décédé le lundi 2 Rabi'ul Awwal et non lundi 12 Rabi'ul Awwal, mais ça aussi c'est une opinion. La durée de la maladie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui va l'emporter sera entre 12 et 14 jours. 12 et 14 jours de Maradul Wafat.
Ça a commencé avec de forts maux de tête, de la fièvre. Chez Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de respecter le tour de ses différentes épouses. Sa maladie va s'aggraver lorsqu'il sera chez Hazrat Maymouna radiallahu ta'ala anha. Et les épouses se sont mises d'accord pour qu'il passe le reste de ses jours chez Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Pendant ces 12 à 14 jours-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au départ, continuait de diriger l'imamat, de faire la prière. Mais il est arrivé qu'il délègue donc la prière, la direction de la prière à Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Sa maladie va vraiment s'accentuer le jeudi soir. Il décède un lundi matin. Le jeudi, donc d'avant, le jeudi soir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va perdre connaissance à plusieurs reprises. Et à chaque fois qu'il perd connaissance, dès qu'il se réveille, il pose une seule question. « Ahadurati sola ? » Est-ce que l'heure de la prière est entrée ? Et les sahaba radiallahu anhum de lui répondre que oui. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Mouru bilalan fal yu'adhin wa mouru aba bakrin fal yusolli bin nas. Ordonnez à Bilal radiallahu anhu qu'il donne l'adhan et ordonnez à Abu Bakr qu'il dirige la prière. Et à trois reprises, il perd connaissance comme ça. Et les sahaba n'arrivent pas encore à se décider. Hazrat Aïcha radiallahu anha, elle, de son cœur, elle a essayé de dissuader le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit, « Ya Rasulallah, mon père Abu Bakr est un homme qui s'émeut facilement et il ne pourra pas supporter un tel fardeau, la place de imamat. Il va pleurer les gens, donc ce sera difficile pour lui. Ordonne plutôt à quelqu'un d'autre de le faire. » Elle va rallier à sa cause Hazrat Hafsa radiallahu ta'ala anha pour essayer de convaincre Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va rejeter. C'est à partir de ce jeudi soir de la Salatul Isha jusqu'au lundi matin Salatul Fajr que Abu Bakr radiallahu anhu va diriger toutes les prières. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne dirigera plus aucune prière. Les ulama ont écrit que le prophète Abu Bakr radiallahu anhu va diriger 17 prières, les 17 prières depuis jeudi soir Isha, vendredi 5, samedi 5, dimanche 5 et lundi Fajr. Là, ce sont les 17 prières successives que Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu va diriger et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dirigera plus de prières à partir de là. Le lundi matin maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam semblait aller mieux. C'est toujours comme ça, avant de quitter ce dunya, on a toujours, afin seulement de tranquilliser peut-être les cœurs de la famille autour, Allah subhanahu wa ta'ala met une espèce d'apaisement, que c'est comme si que la personne va mieux. Et en fait, ce sont ces derniers moments. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wajada khiffatan de les hadiths, ça vient, je n'ai pas le temps de vous dire les hadiths, je vous fais un condensé, qu'il s'est senti un peu mieux. Et Abu Bakr radiallahu anhu a demandé l'autorisation à ce moment-là d'aller voir son épouse qui se trouvait à Al-Awali, donc dans la banlieue de Al-Madinatul Munawwara. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il vient dans les hadiths, qu'il a regardé les sahaba en prière une dernière fois. Il avait levé le rideau de son appartement, de sa maison pour pouvoir les contempler. Et quand il a vu que l'organisation du dîn, de la religion était établie, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a rebaissé le rideau et il va décéder ce lundi-là dans le giron de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, son épouse. Il va décéder dans le giron de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son épouse. Parmi les du'as que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a lu dans sa maladie d'agonie, il y a le du'a suivant « Allahumma a'inni » على منكرات الموت وبين اللهم عني على سكرات الموت. Allah, je te demande protection contre
les affres de la mort, contre les tourments de la mort. Ce sont des du'as qui sont masnoun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam décède. Tout le monde connaît l'histoire que Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu entre et constate le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, refuse de l'admettre et menace quiconque dira que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, donc de lui couper la tête, etc. Et sur ce, on envoya Salim radiallahu anhu, les compagnons qui étaient tous perdus à ce moment-là, ils ont envoyé Hazrat Salim radiallahu anhu quémander Abu Bakr radiallahu anhu qui n'était pas là pour le rappeler. Et Salim radiallahu anhu arrive en pleurant devant Abu Bakr en lui disant, et Abu Bakr lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait-il décédé? Salim de répondre que voilà ce que Omar dit. Alors Abu Bakr radiallahu anhu s'en va, retourne vers Al-Madinatul Munawwara. Et là, il entre chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il va poser ses mains sur ses bras et dans d'autres hadiths, il va embrasser le front de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dans d'autres hadiths, il va dire « Wa Nabiya, wa Sofiya, wa Khalila, oh mon prophète, oh mon ami intime. » Et là, Abu Bakr radiallahu anhu va ressortir, va demander qu'on lui fasse de la place. Et il va faire ce khutba dans lequel il va dire que ceux qui croyaient, qui adoraient Muhammad, sachez qu'il est mort. Ceux qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'il est vivant, qu'il est éternel et qu'il ne meurt jamais. Donc nous sommes là le lundi matin décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, entre le moment où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam décède et le moment où il va être enterré, il va y avoir un laps de temps. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va être enterré selon l'opinion la plus prédominante parmi les muhaddisin dans la nuit de mardi à mercredi. Il décède lundi matin et on enterre dans la nuit de mardi à mercredi. Et là-dessus, il y a une objection, parce que nous, on a toujours appris que janaza, il faut faire le plus vite possible. Souvent, on a vu beaucoup de personnes qui nous ont quittés ces jours-ci, surtout sur Saint-Denis. Qu'Allah Ta'ala fasse le marfirat, qu'Allah Ta'ala élève le darajat dans le jannah, ainsi qu'à tous les musulmans, que ce qui est recommandé, c'est d'enterrer le plus rapidement possible. Alors pourquoi autant de temps, 2 jours entiers? Eh bien, il faut bien comprendre qu'en réalité, il n'y a pas eu de retard. En réalité, cela s'est fait rapidement. Pourquoi? Premièrement, parce que les Sahaba, radiallahu anhum, chez les Arabes, c'est la première fois qu'ils voyaient un prophète. Et ils ne savaient pas comment réagir. Faut-il donner roussal au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Où faut-il l'enterrer? Où est-ce qu'on va l'enterrer? Est-ce qu'on doit faire namaz janaza sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Donc beaucoup de questions qui déjà étaient en suspens. D'autres sahaba comme Hazrat Omar et beaucoup d'autres étaient vraiment dans un moment d'égarement. Ils étaient hagards, ils ne savaient plus quoi faire. Donc, certains étaient là, ne bougeaient pas. Et d'autres ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Donc, c'est pourquoi on s'en est retourné vers Abu Bakr radiallahu anhu. Mais ça, c'était le deuxième point. Et il fallait surtout désigner un successeur. Parce que le dîn, la religion, avait été déjà forgée. Et il ne fallait pas qu'on mette n'importe qui à la place de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on désigne n'importe qui après lui, parce que cela aurait été difficile ensuite d'éloigner, de retirer cette personne, donc du commandement des musulmans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le lundi jusqu'au soir, il va y avoir débat.
entre les Muhajir et les Ansar dans un endroit qui s'appelle le Saqifa des Bani Sa'ida. Et ce qui en est ressorti, c'est que les Ansar au départ ont dit qu'on va mettre un chef parmi nous. Et vous, les Muhajir, gens de Makkah, vous mettrez un chef parmi vous, désignerez un chef parmi vous et tous les deux vont diriger. Tout de suite, Abu Bakr radiallahu anhu, à la réponse, Al-A'immatu min Quraysh. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que ce ne sont que les Quraysh qui peuvent diriger. Et ensuite, ils sont tombés d'accord sur le fait de mettre Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu comme chef des croyants sur ce ayat-là que Omar radiallahu anhu dit que Mallahu mithla hadhihi salatha, qui peut se prévaloir d'avoir les mêmes qualités que ces trois personnes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Thani yathnain, que Abu Bakr était l'un des deux lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Al-Madinatul Munawwara et qu'ils se sont réfugiés dans la grotte de Thawr, dans la grotte du serpent. Alors Abu Bakr Thani yathnain, il était l'un des deux. Allah ta'ala qui parle dans le Coran Idhuma fil ghar, alors que les deux étaient dans la grotte. Et yaqulu li sahibihi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala a désigné Abu Bakr comme étant le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tahzan, inna Allah ma'ana, ne t'inquiète pas, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Allah est avec nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, lorsqu'il s'adresse à tous les Ansar et les Muhajir, il dit, qui parmi nous peut se prévaloir d'avoir ces trois qualités-là? Allah Ta'ala lui-même dit dans le Coran que Abu Bakr radiallahu anhu, Allah est avec lui. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec lui. C'est lui qui dirigera comme il se doit la ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà. Ensuite, le lendemain, le mardi matin, alors il y a eu le bay'at, lundi soir, bay'atul khassa, c'est-à-dire ce ne sont que les chefs, les responsables de Madina Munawwara qui ont prêté serment d'allégeance sur Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Le mardi matin, il y a eu bay'atul amma, c'est-à-dire le serment d'allégeance publique pour tous les musulmans qui ont prêté ensuite serment dans la main de Abu Bakr. Et dans la nuit, donc le mardi, il y a eu le kafan, il y a eu le janaza, j'ai pas le temps de développer. Et dans la nuit de mardi à mercredi matin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va être enterré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de méditer sur ces paroles-là, que la mort, tout le monde devra goûter à la mort, qu'Allah ta'ala nous donne tous une bonne mort, une mort avec iman, et de donner tout ce jannatul firdaus et élève notre darajat inshallah. Amin ya rabbal alamin wa ma tawfiq illa billah. Qu'il illa billah. Qu'il illa billah. Qu'il illa billah. Qu'il illa billah.